Bonjour à tous et à toutes. Une toute petite vidéo là pour vous faire voir un peu ce que j'ai reçu de Craftelier. Alors c'est une toute petite commande parce qu'en fait, comme vous le savez, j'ai acheté sur le Bon Coin un Rolodex et j'ai été tellement déçue au départ que mes cartes elles aillent pas dedans. J'ai craqué et j'ai été sur internet et j'en ai trouvé un en promotion chez Craftelier, donc je l'ai commandé. C'est plus fort que moi, quand je suis déçue de quelque chose, j'essaye de trouver une solution à mon problème, quoi. Donc j'achète. J'ai vu après vos messages, des idées, j'ai pas pensé. J'ai pas du tout pensé à comment on pouvait faire, de faire des pochettes et tout ça. En fait, quand j'ai lu vos messages, j'avais déjà commandé sur Craftelier. Donc, c'est comme ça. je vais vous faire voir. J'ai juste ouvert le carton sur le dessus. Voilà, et puis on va regarder comment c'est. Donc, hop, j'enlève le papier. Ça, c'est un papier que je vais récupérer. Donc le Rolodex, il est là dedans. Donc celui-là, normalement, il n'y a pas de souci puisque c'est fait exprès. Hein. Donc c'est de la marque AD, je crois que c'est AD Swap. J'ai acheté ça. Je vais vous basculer. Bascule avec moi. Donc j'ai acheté ça. Alors j'ai le petit bon. Il y a la petite sucette. Trop marrant ça, la petite sucette. Et puis donc j'ai pris en même temps j'ai pris du faux cuir dans les bleus verts. Enfin dans les. Là c'est plus du vert. C'est pour faire mes tranches d'album. Que j'ai toujours donc mon projet. Hein. Mon projet que de un ou voire plusieurs. Je crois que je vais faire au moins deux albums, si c'est pas trois. Là j'en aurai avec le bleu là que j'ai acheté, le Sky Vertex, que j'ai pris à fait du scrap, que vous avez vu dans mon haul fait du scrap. Et donc là c'est de chez Artemio. C'est de chez Artemio et c'est du vert. Couleur verte et c'est du faux cuir quoi, c'est du faux cuir. Je le collerai avec de la colle à tissu. Donc j'ai pris deux feuilles comme ceci. J'ai l'impression que vous êtes zoomé, non? Non, il n'est pas zoomé. Je suis trop près. Voilà, donc 30-30 elles font les feuilles. Donc j'en ai pris deux. Je vais les poser là pour l'instant. J'ai eu un petit cadeau, j'ai eu le bracelet vert. J'ai vu sur les vidéos des scrap copines qu'il y a différents bracelets. Donc j'ai eu le vert. Et qu'il est l'ouverture. Voilà, donc il y a le vert où c'est marqué dingue de scrap, que ça brille et que ça brille, c'est un saumonné, des paillettes et c'est tout, ça c'est rose, du scrap et du strass, il est orange, enfin jaune-orange. Donc il y a ces quatre modèles là. Alors je sais pas jusqu'à quand ils font ce bracelet. J'ai voulu refaire une petite commande hier, mais tout ce qui m'intéressait, c'était en rupture de stock. Donc tant pis, hein. On verra plus tard. Donc ça, on met le bracelet, puis on fait coulisser la petite bouboule pour pas le perdre. Voilà. C'est rigolo. c'est rigolo. Donc ça, j'ai une petite carte comme ceci. Voilà. Donc il y a marqué I love craft.
de chez Craftelier. Ils sont très jolis, hein, leurs cartes. Craftelier, Craftelier Hall. Voilà, voilà. Donc, on va ouvrir. On va voir le fameux Rolodex. De Heidi Swap. Hop. Là. Hop. Donc voilà la bête. Donc il est noir pailleté. Il y a des petites paillettes, on voit ça brille. Pas si vous allez voir, ça brille. Les paillettes. Noir pailleté. Et donc là normalement l'écartement il doit être bon. Il y a un petit quelque chose là-dessus, mais moi je nettoierai. Alors je vais chercher une carte pour voir, mais normalement c'est bon. Hein. Alors cette vidéo là vous n'allez pas la voir aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le mardi 11 mai, je filme le matin, mais je vais partir tout à l'heure voir ma grande sœur. Et donc là l'écartement il est impeccable, c'est normal, c'est fait pour. Hop. Tali la 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 li. Je cache parce qu'il y a les adresses au dos. Ça marche impeccable. Je l'ai fait aller dans ce sens là pour pas que vous voyez les adresses. Alors j'avais reçu là pour mon concours des 100 abonnés, j'ai vu hier que j'étais rendu à 200. Je vais attendre déjà d'une part qu'Action réouvre les loisirs créatifs et pour acheter de quoi faire un concours pour les 200 abonnés. Donc en attendant je vais attendre un petit peu parce que là j'ai 200 tourons. Enfin hier soir il y avait 200 tourons. Mais des fois avec YouTube, un jour t'as 200, enfin un jour on a 200, puis là, le lendemain on a 195 ou 196. Et celle-ci. Hop. Je fais envoyer par là. Donc voilà, alors j'en ai combien en tout? Je vais pas faire comme ça parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6. J'en ai 6. J'aimerais bien en avoir d'autres. Donc le prochain concours, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais je demanderai plus spécialement une Memory Dex. Mais ça, je vous en reparlerai. Pour l'instant, c'est pas encore. Faut déjà que j'ai de quoi vous faire des lots quand même. Des lots, des lots, des lots, des lots, lots. Alors j'ai hâte. Je vais me remettre face à vous. J'ai encore un peu de temps. Ah bah, le téléphone maintenant. Donc voilà, j'ai répondu au téléphone. C'était mon grand frère. Donc voilà, ouais, bah, je vous retiendrai au courant là parce que je vais sûrement faire un concours pour les 200, mais je ferai une vidéo spéciale. Et puis bah, vivement la semaine prochaine, hein, ça approche, mais bon, les derniers jours, hein, ils sont longs. Hein. Vivement que mercredi la semaine prochaine, on puisse aller dans les loisirs créatifs à Action, hein, parce que vous. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont bâché. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on fasse des loisirs créatifs, vraiment. Mais... Tiens. Ça sert à rien. On va pas se casser la tête.
Bon, sur ce, je vous embrasse tous. Merci encore à tous et à toutes d'être présents sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour savoir quand je mets une nouvelle vidéo. Ben, y voilà. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Et merci à tous et à toutes. Scrap bisous, à bientôt.